Guys, bienvenue à cette nouvelle soirée OD du dimanche. Mes soirées préférées parce que je peux passer du temps de qualité avec mon amoureux Mathieu Pellerin. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça le fun de suivre avec toi. Puis on a l'audace d'appeler ça du travail. Comme une game de hockey, on commente, tu sais. C'est important, oui, on garde la vrai, pas pour rentrer à le but! Exact, c'est vrai. Ça part? Là, j'ai la petite tisane, ça part, guys. Ça a l'air que ce dimanche a été extraordinaire. On l'écoute ensemble. Hey, là, oui. Pis ça va être la bonne. Oh non, là, ça c'est parce que tu penses trop. Mais parce que je veux arriver pas à voir qui pourrait partir, genre. Je peux pas écrire. Mais là, nous, il va y avoir du monde qui va arriver. Après, ils vont partir. C'est tabou. Mais j'ai l'impression que tu peux. Ah, c'est la bonne? Que Ralph a un intérêt pour toi non plus. Bien sûr. Ah, c'est ok. Et j'aime pas l'idée de secret. C'est que Kat a aucune idée que Ralph a un intérêt vers toi. Pis que Mel a aucune idée que Félix a un intérêt vers Kat. Félix, qu'elle a été rendue vers Kat, ça, ça a été gardé quand même secret. Félix a dit que la seule qui en presse restait Kat. Puis que genre ils ont passé du temps ensemble, c'est vraiment. On l'a vu dans l'outro là. Il bâlait avec les autres girls. Ouais. Je suis content de vous voir. J'ai hâte, filles. Pour vrai, j'ai hâte de voir. Félix, c'est une drôle de dame. J'ai hâte mais de voir ce que t'es là. Quand elle a pas nécessairement envie que Perzil le sache. Non, c'est ça. Mais gros, c'est un mystère, 4F. Gros, c'est un joker dans ce game-là. Oh, avec qui tu penses que 4F va se revirer si c'est pas être Bilal que ça se passe? Un candidat, c'est ça? Ou un boy à l'interne? Présent. Ta gueule, Bill! Il en faudrait pas beaucoup pour corrompre un homme, là. Il pourrait être corrompre? Oui, même. Enfin, mettons que je prends en couple en sortant à l'aventure, je voudrais même pas, genre, être un peu proche d'elle, genre. Pendant leur voyage, qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire? Ils veulent tout fourrer oui, avec, c'est là. Ça, c'est ça, Gary. Ils veulent tout fourrer exact. Avec. Parce que Phyllis, lui, avait dit que physiquement, c'était pas son genre. Ouais. Lui, il aime les filles plus comme ouais. Girl Next Door. Ouais. Mais vu qu'il est chum, je pense qu'il a oublié ce bout-là. Ouais. Vu qu'il est smart, il est comme, ah, ok. C'est vrai, c'est vrai. Ils veulent tout coucher avec la girl. Ouais, avec ouais. La mom. Ils veulent tout être beau-père, c'est ça. C'est sûr qu'ils s'embrassent. 2 milliards de pourcents qu'ils s'embrassent. Mais 2 milliards de pourcents? Essaye de passer une journée dans une piscine seul à seul avec elle, tu meurs. Ben voyons. Parce que là, check, qu'est-ce qui va arriver, là, c'est ils vont s'embrasser en voyage. Bill, il va être locked up avec elle, mais elle, elle va encore un peu aller jouer à droite puis à gauche, je pense. Bill va péter une note. Ça avait vraiment l'air à s'essouffler dans la fin. Ça veut dire que c'est peut-être juste un point. Ouais, Bill, Félix? Il va être ouais, j'ai vu, up j'ai avec vu. Elle, mais elle, elle va encore un peu aller jouer à droite puis à gauche, je pense. Bill va péter une note. Ça avait vraiment... Il t'a une... Bill va... Il t'a comme un troisième épaule, littéralement. Il s'est échappé la barre, là, dessus. Ouais, mais qu'est-ce qu'on dirait qu'il y a un troisième titre qui a poussé? Peut-être juste un point d'ancrage. Ils se prêteront pas. Je mettrai ça en paix là-dessus. Ah, dans le fond, ils se prêteront pas. Mais non, les deux voulaient explorer autre chose. Ils s'en battent les couilles l'un de l'autre. Ou ils vont s'embrasser puis ils vont le dire à personne. Non, mais il dit je serai plus sur Fanny finalement. Ouais. Après, ils vont en voyage avec. Ouais, ouais, ça c'était wow. C'est juste cave, tu sais. Je comprenais pas ça. Parce que je comprends pas. C'est juste niaiseux. C'est, ouais, tu dis ça, il y a des caméras partout, mais t'es cave, aussi. Mais yo, je pense pas qu'il peut trouver mieux qu'elle. Pro à cuisine. Elle est belle. Elle est drôle en kiss. À strain. Imagine ton crush pour elle embrasse ton boy, genre. C'est quoi les trucs les plus convaincants que Kat te dit, mettons? Les trucs pour vous montrer qu'elle est intéressée, mettons? Non, je peux pas dire ça. Mais Kat, by the way, les trois gars sont dans l'île et sont en train de dire que KTF leur a dit qu'elle était intéressée à lui. Ben genre. Oui! C'est fucked up, Anesti, là! Vraiment, il nomme plein d'affaires pis lui, il fait. A train! Ouais, c'est ça! A train! De elle-même, me semble qu'elle a dit. Comme moi, Bill, c'est pas un gars avec qui j'aurais matché en dehors de l'aventure OD. Qui, mettons, un gars avec qui t'aurais matché? Puis être comme, ben. Toi. Peut-être un gars comme toi. Une affaire qui m'a marqué, elle a dit peut-être que la tortue va dépasser le lièvre. C'est dangereux, man. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. C'est elle en personne, man. C'est une sorcière, genre. Tu deviens fou, gros. Mais ils se sont tous down d'essayer, mais ils veulent tous. Ils se respectent un peu le, ouais, l'un l'autre. Fait qu'ils sont comme, c'est correct. C'est Bill, ça. Bill est de l'avance, genre. Mais en même temps, Chris, ils ont habité dans les maisons mais avec. Tu sais, elle est au-dessus, puis si elle lance une corde pour qu'il monte ouais, à son niveau, ouais, ouais. Ils vont tous monter, là. Oh ouais. Shit! Ils veulent tous monter pour la rejoindre. La vue est incroyable. Ah. C'est juste un contraste irréel. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on s'attend à rien, mais on s'attend à tout. Non, c'est crazy pour de vrai. Hey guys, welcome to Wall Canyon. Kat est pas agaspissette. Kat, là, le vrai pattern, c'est qu'elle est belle, elle est fine, tout. Fait qu'elle sait, elle peut pas y n'importe qui. Peu importe qui va lui donner de l'intérêt le plus, pis sa fit, elle va le prendre. Elle a, oui, t'sais, les filles de même, peuvent littéralement juste prendre n'importe qui. Ouais. Tu vois bien, là. Ouais, toutes les doutes sont même. Tu veux pas. Perso, moi, je pense que j'aimerais pas ça. Ben, ça, c'est personnel. T'es pas de même, toi. Non,
Chris, non. Mais ça, mais tu fais genre, tu j'aimerais pas du jeu ça sortir avec toi si genre tu serais comme moi, je peux avoir les filles que je veux puis genre cousiner n'importe qui là. Mais c'est pas ça qui arrive. C'est un peu intense là. Tu sais, pendant que Mamadou il avait stratégiquement placé le coussin sur le pénis parce qu'il pensait à 4 et il voulait camoufler l'érection. Ok. Donc, tu sais, c'est normal, le celui-là appelé tous les croisés puis sont ils s'en parlent, ils sont tous comme la première activité, c'est du véhicule tout terrain. Ça a commencé comme ça. Ok, guys, you ready for these machines? Premier des montagnes, Joe! No mucho bla bla bla, and vamonos no mucho bla bla bla. Yes! Yeah. J'adore! C'est tout, les deux. Moi, j'aime la boîte. Chacun un, là, tu sais. Chacun un. Je me suis placée en deuxième position. Je me suis dit, ok, elle veut se faire guider. Puis peut-être un petit peu taquiner Bilal en arrière. C'est quoi une girl next door? Parce que, tu sais, mettons, moi, cette année, la personne que je considérais comme girl next door, c'est genre Steph. Anna, j'sais genre, pas. Steph, Anna. Tu sais, une girl next door, c'est une fille qui a ta définition du pick me, I guess, qui est dans pour n'importe quoi, qui non, je pense pas, je pense pas que c'est une girl next door, en tête, c'est une fille qui, usually, dans vie, s'habille pas overly sexy, elle accrouse pas tout le monde, c'est juste une fille normale, comme, okay. Qui, tu sais, une girl next door en tête, c'est. Ben, toi, tu serais girl next door, I guess. Ouais. Tu penses que je suis genre une pick me girl? Non! Okay, c'est bon! Girl next door, c'est une fille chill. Moi, je suis juste par pitié, je suis qui, girl next qui cause pas de problème, qui est smart, que tu prends tes parents pis qu'ils la trouvent cool, tu vois. T'sais, girl next door. Fait que moi, tu me considères girl next door? Exact! Bon, il a dit ça même. Oh, Chris, un énorme pont. Il est long, il est haut, il est à pic. Ah! Full safe! Après, moi, mais en tout terrain! C'est chill, ça! Dès qu'on descend, on a un petit stress, mais c'est un bon stress. Il y avait tellement de choses à voir. Puis moi, plus on avançait, plus c'était impressionnant. Puis des fois, il y avait comme juste des silences complets dans ma tête. Marcel, il vient après la discussion pour faire ça comme il faut. Puis nous dire qu'il y a une autre activité. How are you guys? Non, my name is George. Are you ready? You're ready for what? Ah, c'est pas nice, c'est vrai. Ça doit être le bungee, ça doit être le bungee, ça doit être... Parce que moi, c'est ma plus grosse peur. First? If you could start bungee right now. Le bungee, je le dis à haute voix, c'est un truc que je paierais jamais de ma vie pour sauter. Tu peux comprendre. Bungee non? Jamais, jamais. Non. Bungee à deux, though. Bungee à deux. Mais c'est pas du bungee à deux actually. Parce que c'est... Ah, c'est la swing. Well, the swing is like a swing. Oh! Pas de bungee. Soulagé. J'étais soulagé. Georges nous attache dans une petite nacelle pour nous rendre la même affaire. C'est la même affaire. C'est vraiment cool, comment c'est. Mais t'es, face first, genre. On bougeait d'un bord puis de l'autre. On nous apporte dans une gondole, suspendue au plus milieu fort, du moi. Canyon. Non. Oh, OK. Le plancher transparent. Le sol est vitré. Tu vois le les mains fond directement. Même si on voulait pas regarder en bas, on était obligé de regarder en bas. Ouh. C'était pas un son qui était le fun. C'était pas moi, ça, juste comme... la ride de gondole. Oh, c'est hot, hein. Non, non, et moi, juste la ride de gondole, j'aurais chié dans mes culottes, là. Oh, mais t'es un peu pussy, là. You gonna say 3, 2, 1, go, or just... Ah! Oh, my God! Ah, c'est relax, quand même, là. C'est relax. Ton cœur est resté en haut, il est mort. Nous, on a descendu. Oh, j'ai arrêté de vivre. L'émotion était... Je pense que j'ai arrêté de respirer. La GoPro fait sa gueule. On a fait notre expérience. T'es assis! On remonte, on remonte. C'est du bungee pour papy, là. C'est du bungee pour papy. Il remonte. Good. Good. Ready for the next activity? Yes! Bungee jump? Non, 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 il niaise. J'étais sans mots. Is this a joke? No. It's... OK. Je meurs, là. C'est what? Aujourd'hui que je meurs. Mais non. Là, c'est pas t'en haut, par contre, Joe. Attends un peu. Ah ouais. Legit, deux estis d'affaires fuckées, là. C'est cool, par contre. Non, non, non. Hé, hey, là, moi, j'aurais fait... Là, wow, c'est là. Malade, c'est on malade. On calme, là, Chris, là. Non, mais là, si tu peux faire du bungee, t'es dans le truc, tu le fais, là. Je demande de me faire attacher de même. Je vais pas la tête en premier. Je peux pas. Non. Moi, c'est les pieds en premier, là. C'est at least, pourquoi? Là. Genre, je veux être attaché par le chest et non pas par les pieds. Quand tu joues hockey, tu joues hockey, là, tu sais, là, non, tu j'ai fais pas de bungee. Envie de me casser la colonne vertébrale. Franchement, c'est fait safe. Non, je m'en fous. Come on, là. Face first, man. Mesdames. Oui. J'ai un chat dans la gorge. Deux candidats vont avoir la chance de partir en expédition privée dans un sous-marin.
Juste pour vous allez plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur pour visiter la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Chito! Ah, c'est non, écoute! On m'a dit que c'était la fête de quelqu'un. La chose est la preuve qu'il filme littéralement comme si trois émissions la même journée. Là. Ça, fait, ça fait trois jours dans trois genre, épisodes. Ça fait genre littéralement quatre jours, c'est sa fête. Ouais, exact, exact. Penseuse est Christina! Opération Titan version 2! Mais je pense que je connais la réponse. Avec qui veux-tu y aller? Avec Alex. Alex, je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle. Nice. Fred, dis-moi, Fred est habillé exactement pareil comme il est habillé, mon Dieu. C'est quand même bon, le balai. On va avoir la chance de partir. Je comprends que c'est bon, mais c'est vraiment plate pour les candidats. Mais non, ils le savent pas, eux autres. Ben oui, ils le savent. En quoi c'est plate? C'est la première fois qu'ils participent, c'est pas plate. Moi, je tripais ben raide qu'on ait des captations du lundi au vendredi. À chaque jour, on avait des activités. On le sait pas, Claude, tu peux pas comparer rien. Fait que tu le vis, peut-être. T'es en expédition privée. C'est pas plate pour eux, je trouve. Dans un sous-marin. Juste pour eux. Juste pour eux. Donc là, moi, je reviens de la maison des filles. Et j'ai offert cette activité-là à Christina! Ah! Eh bien, elle t'a choisi, mon cher, à l'écran! Rentre pas dans un sous-marin, bébé! Je vois que lui, il est allé cueillir du miel, man. Toi, tu vas dans un sous-marin. Ils vont pas annoncer les nouvelles. C'est vrai, nous, on est allés en le sous-marin Atlantis 12, c'est un sous-marin qui est totalement électrique. Pour embarquer sur le sous-marin, on a pris un petit bateau, puis on s'est rendu à une place qu'il y avait absolument. Alex! Tu sais, le petit criquet, le corail. Corail. OK, c'est à quel moment, mettons, que le sous-marin arrive? C'est un sous-marin à la base. Je pensais que c'était une petite boule, là, puis on allait comme avoir nos têtes comme ça dans le petit rond, là, comme des scaphandres de même. Ben, je comprends. Est-ce que je vais fitter dedans? Est-ce que je vais pas fitter dedans? C'est sûr que je fitte pas dans les chars, dans les avions, dans mes pantalons. Mais un sous-marin, je sais pas. Comme c'est pour les gens moins de 6 pieds. Ouais, c'est ça, c'est chill! Okay, mais là, nous autres, on était dans une petite boule, là. Mm-hmm. Le sous-marin était vraiment petit. Il y a plusieurs. Oui, c'est ça, il y a plusieurs types de sous-marins. Il y a plusieurs types de sous-marins. Tu sais, c'est comme une, c'était déjà un cercle, genre. Ouais, mais ça, c'est... Ça, c'est pretty nice. Ouais, ça, c'est nice. Ça m'a pensé, ils ont fait ça pour aller voir le Titanic, puis ça a full marché, c'était vraiment cool. C'était cher, ouais, moi, un peu, mais... Moi, tout, je pensais à ça. Moi, j'en reviens pas qu'on en a fait. Genre, si on m'avait proposé de faire du sous-marin après le Titanic, je serais pas là. Mais je pense pas qu'ils vont à, comme, 3000 mètres dans l'eau. Je sais pas trop. Non, je sais. Tu pieds, ouais. Finalement, c'est il est good, man! Il est good! Il y avait de la climatisation, il y avait genre plein de places assises, puis à l'avant, il y avait où le conducteur, il y avait comme une grande baie vitrée. À un certain point, on est arrivé à une épave, un bateau. Hey, c'est tellement cool! Why did it sink? We're an artificial reef. Ah, ce que le capitaine nous a expliqué, c'est que... Oh, il y a des places là pour mettre ça beau, genre. C'était un bateau qui... Hey, je t'ai vu aujourd'hui à la ronde! J'étais à la ronde! Qui est comme un genre d'écosystème pour les poissons. Ah, c'est un écosystème pour les poissons. Oh, check ça! C'est sûr, c'était... Mais si personne clutch, là, c'est les deux winners, direct. Ouais. Faut que ça clutch, c'est le temps. Dans un sous-marin. C'est bizarre à dire, mais que c'est... Techniquement, ma première date avec Alexa, tout ce que j'avais à faire, c'est de me perdre dans ses yeux. Enfin, je savais pas à quoi trop m'attendre, mais c'est sûr, une fois qu'on a vu les corails, on a vu les poissons, tu sais, moi puis Christina, on a pris le temps pour se coller un petit peu, puis se rapprocher. C'était vraiment romantique, la petite lumière du fond de l'océan, si propice au rapprochement. Honnêtement, c'est romantique. Je pouvais me laisser aller. Les monstres French et checker les magnifiques coraux! T'as la date, tu veux pas? Ah! Mon Dieu, c'est quoi cette scène-là? What the fuck, les scènes? Ben, rien ou non! My God! Yeah. Ben, voilà! C'est sûr qu'il y avait des petites mains qui se posaient, des petits becs qui se donnaient. Wow. C'était vraiment comme... C'était vraiment le moment, là. Je sais pas si ils sont bien crus, par contre, dans le fond de l'eau. J'ai vu les nouvelles filles. Oui, on a vu les nouvelles filles. Avez-vous vu les nouveaux gars? Oui! Ah! OK! Faut que tu passes le topo, parce que là, si j'y reviens et j'ai pas l'information, les filles vont être genre... C'était 50 filles, c'était les noms. Mettons, moi, j'étais pas lui qui était vraiment genre de même en train de faire. Puis l'affaire, c'est qu'Alexa, il est pas très bon pour décrire des gens, vraiment se rappeler des noms et des métiers et des âges. Donc, on a un peu une description floue. Ah oh non, j'ai dit quelque chose. Mais ils ont tous juste dit leur nom, that's it. Ouais, on veut donner une chance. Il a pas l'air d'être le gars le plus rapide sur la piste de course, genre, let's be real. Ouais. Mais
quand même, faut lui donner une chance. Oui, je vais te dire, parce que c'est ma mère, elle peut pas le voir, puis moi, je sais pas. Oui, ça va être gênant. Ils ont rien vu. Je connais Christina, je sais comment elle, des fois, elle sort des affaires un peu de l'ordinaire. Mais j'ai dit un genre de Alexa, je t'aime, mais de manière comme vraiment comme pas, je t'aime, tu comprends? Ouais. On sait jamais, il y a peut-être un fond de vérité encore là-dedans. OK. Transparemment, là, vous comptez dans ce grand sujet-là. Okay. Est-ce que tu penses que si on n'avait pas été à la Maison Mix ensemble, ça aurait fini de la même manière? Je pense que ça leur a pas fait de grande différence. Exact. Je me dis tout le temps que si c'est meant to be, ça leur est arrivé là ou après ou plus tard. D'avoir une date avec lui à l'extérieur, loin des yeux de tous les autres. Genre la question, m'aimerais-tu si j'étais un ver de terre? OK. C'est comme, okay. Ça reste, même si j'aurais pas été ensemble, il aurait voulu l'essayer. Nos candidats, sûr que ça change la dynamique. Puis c'est vraiment le fun de juste pouvoir être avec lui. Ah. C'est tout avec toi, c'est le fun. Je sais. J'ai toujours de quoi. C'était vraiment des moments propices, vraiment pour se rapprocher, tout ça. Puis pour moi, ça a vraiment prouvé que genre... j'ai vraiment des sentiments pour elle. C'est full mean! On dirait que j'ai encore plus envie de faire des aventures avec elle, puis tout. Puis ça se passe très bien. J'aurais pas pu demander mieux comme première activité et avec une meilleure personne que ça. C'est vraiment cute, pour vrai. Très cute. Sont cool. Il fait quoi ce gars-là? Je m'en vais pas. Vends-tu des house comme le trois quarts des autres? Entrepreneur? Ah ouais? Je sais pas. Mannequin? Entrepreneur. Bon, mais il est entrepreneur. Emmanuel, genre? Sa job, c'est grand. T'en plein. Mais reviens de temps. Mais reviens de temps. Il fait noir, mais là. Comment est-ce qu'il va, là? Bon. Grand. Okay. Chapitre 1. L'activité. Chapitre 1. Donc, vraiment, on a pris un bateau. Mais tu sais, on arrive à une place, puis il y avait comme rien. Fait que là, on était comme. Genre, il se passe quoi? Puis là, il y a le gros sous-marin qui sort de l'eau. Non! Mais un sous-marin! Un gros, là, un vrai. Wow. Ah, c'est impossible! Ouais. Ouais. Jusqu'à à peu près 100 pieds, j'aime genre, les avions. Sous l'eau. Fait que finalement, les filles, le sous-marin descend. J'aime les sous-marins! Ouais, exact. C'est cool. Y a tous des beaux poissons, t'as des poissons cute, poissons drôles, genre, à côté des fenêtres, t'es malade. Puis après ça, on a une petite date sur la plate. C'est vrai que là, au début, on s'est la main. T'sais, on s'est full rapproché. Grosse complicité. Dans le sous-marin, c'est sûr qu'on a eu des rapprochements. On s'est embrassé dans la cabine du capitaine. Vraiment, là? Vraiment pas qu'il me donne une maison de l'amour, parce que là, ça commence à être compliqué. Ah, oh, ouais? Oh! J'ai l'information pour vous. Si on parlait justement des nouvelles filles. Mmh. Oui! Oui! Ils ont vu les chippies. Il y a qui est pas très bon pour amener les filles. Aucun d'entre eux était flabbergasted. Un peu comme nous. Mais le big! On les avait pas vus! Come on, là! Come on! Mais c'est sûr qu'il y a un que, genre, que. Il a pas parlé de Mick non plus. Mick est tanné. Hein? Tanné des gars? Il sent vraiment que tu t'éloignes. Il dit comme. Je pense que Mick, il l'a eu tough justement dans la dernière semaine. Puis comme. Je pense que l'arrivée d'une nouvelle fille, ça va faire du bien. Puis il était comme genre. Il sait plus quoi penser de Anna, genre. Pourquoi elle dit pas? Je trouve ça lame qu'elle dit pas, genre je suis pas down. Elle voulait juste le draguer pour que elle se sente safe, tu sais. Ouais. C'est quand même push. Oh, hey, off. Ben là, parce que c'est là, Chris. Ouais. Je vais peut-être clarifier des trucs au partout. Je pense que c'est un peu comme pas le moment, ils vont rencontrer les gars, puis tout. Tu prends le temps. Moi, vraiment, rencontre, mettons. Mais si j'ai pas les nouveaux personnes qui arrivent au resort, mettons. Ça me rend. Au resort! Donc, juste lui faire part qu'en ce moment, t'es plus au pôle Nord, mettons, qu'à Rio de Janeiro. C'est juste qu'il y a beaucoup de férocité ici, puis comme, tu sais, Mané, faut que j'établis bientôt. T'as le droit de prendre ton temps avant de prendre des décisions. Est-ce que, comme, c'est déjà. Le voyage que tu vas faire ou t'es encore en train de magasiner? Ben, je pense que tu le sais puis tu veux pas te l'avouer. Ben, c'est plus d'aujourd'hui. Ouais. Alors, depuis que je pars, je fais de l'anxiété. Puis avant, j'avais pas ce sentiment-là. Parce que si tu le dis au passé, c'est comme si tu parlais dans un resort, mais t'avais comme pas acheté ton billet tout inclus, tu comprends-tu? Ouais. Non, c'est de la merde, ça. C'est le délululaine, là. Ouais. Tu peux lui dire que t'es pas down, là. Honnêtement. Celui, il est littéralement à tes pieds, là. C'est comme. T'es pas down, on le sait, tu l'as ouais, dit, t'as le hic. Tu l'en regardes, t'es comme. T'sais, à un moment donné, c'est Chris Paul Fair. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est pas capable de dire des commentaires négatifs sur Anna parce qu'elle part ça. Pis c'est me. Non, mais tu peux le dire, c'est fucking whack, faire ça. Tu peux le dire, c'est whack, faire ça, là. Ben, réellement. Même, je sais pas, t'sais. Genre, je trouve ça vraiment whack. Je sais pas si je vais le dire. Je trouve ça vraiment whack, mais t'sais, honnêtement, elle me gosse pas plus que ça. Ah. Je suis vraiment comme ni chaud ni froid. C'est plus ça, mon. C'est même pas parce qu'il fait pitié, genre. Il a l'air un peu piteux, tu sais, mais c'est vraiment juste lame de comme traîner quelqu'un, comme. T'es avec une laisse, pis là, bon, la seconde qui est la meilleure, je lâche la laisse. Ouais, je trouve ça vraiment BS. J'ai hâte de voir, en tout cas. Puis que j'en parle à Kat, quand elle va revenir, je vais pas dire. Genre à la fin du 5 à 7, Alexa est venue me voir. Pis il m'a dit, là, il faut que je te parle de quelque chose. Pis là, elle m'a genre dit ce matin que depuis que les maisons sont séparées,
OK. Félix est revenu de du party. Ça, là, c'est juste à dire, c'est le meilleur mix parce que ces amis-là, là, ils vont tout le temps là, tellement être contents d'être ensemble, s'inventer des réalités ensemble puis se donner raison. Absolument. C'est comme. C'est le meilleur match. C'est ça que tu veux dire, c'est le meilleur match. C'est genre le match parfait. Okay. C'est comme les deux là, sont capables de s'inventer une vie. Ouais, ils se craignent puis les deux sont d'accord avec l'autre. Ouais. Hey, t'as genre, pas de raison. C'est le délirium là, en personne. Ils vont faire des voyages en soi de l'histoire. Man, c'est fou pour vrai. Délulu is the solulu, exact. J'ai envie de l'embrasser. Dis-lui, ah, depuis que tu m'as fait le truc à l'oreille, j'ai envie de t'embrasser. Dis-tu ça, ça va de la cupidité. Mais faut pas que tu le regardes en face, ça va sentir un peu la top. Faut que tu dises de côté, genre. Ouais. Faut que tu parles par là, genre. Non, non, mais guys, on le sait que Bilal l'a dit pour vrai, c'est juste parce que on dirait qu'avec ce qu'on a vu de Fanny à date, elle s'invente un peu quand même une réalité. Je trouve qu'elle est dans la fantaisie pas mal, là, ouais, dans la fantaisie. Oui, dans la fantaisie. Quand il y a un gars qui s'intéresse avec, c'est comme si elle est moins comme. We'll see. Let's go! Kat, elle commence à rire, mais c'est un rire toxique, là. On peut-tu l'aimer, Bilal, ou on le saura? Oh, ouais, bien sûr, là. Ben, t'as un peu fait. Juste pour le moment, genre? On va attendre de voir la fin. Ok, je vais savoir, je vais informer ma famille. Non! C'est trop de dans nos peaux, là. On est pas contents d'être là. Il s'est comme refermé sur lui-même, il était silencieux. Temporairement! Je l'accepte. J'arrête de parler. Je vais y aller, je vais le faire. Il n'y a pas d'autre option, c'est ça que je fais. Ouais, je suis content pour lui qu'il ait eu du fun. Je veux pas regarder en bas. Je veux pas regarder du temps en bas. Je veux pas me remettre en question. Je veux sauter le qui dit go. Ben, c'est correct. 2, 1, Bungie Sniper. Oh! What the fuck? Hey, il a été bon, ma gueule. Il a vraiment bien fait ça. Je capote. J'ai des frissons. Il y avait tellement d'adrénaline. Ah, moi, le monde heureux, là. Sac, ça me gosse. Oh, shit. Ouf, moi, le monde heureux. Je suis tellement comme... impressionnant le monde. Quand mis Anna, j'ai le hic. Ouais, oh. Wow. Je trouve ça vraiment pas cool pour lui qui a trippé et qui avait de quoi de le fun qui a pu en profiter. Je trouve ça cringe. Tu vois qu'il descend en poussant la corde ou en tirant. Ouf. J'étais encore plus. Ah, tu joke! Mais non, I'm not doing that again. C'est sûr que tu me niaises. C'est sûr qu'elle choque pas. Il m'aide pas, là. Non, non, mais c'était fou. C'est la meilleure expérience de ma vie. J'avais oublié que Kat, elle l'a pas encore fait. M'entendre parler comme ça, c'est un... Il a comme fait... Oups! Hey, sais-tu quoi? Je l'aime pas, Bilal, là. Mais je relate. Je relate, pour vrai. Genre, Kat, tu sais, elle doit regretter son choix d'outfit. Tu sais, parce que là, elle porte une petite zone. Les tits, Les boobas, d'après moi, ça va sortir de la cabine. Ils ont l'air quand même bien ancrés, par contre. Oui, ils ont l'air solides. Tu sais, toi. Ils sont solides. Ayant une réalité différente de la tienne, les tiennes, ils se promènent. T'sais. Elles, ça a l'air plus d'être comme deux bonnes vis. Ils sont là. Ils, ouais, sont mais ça good. Peut quand même comme sûrement sortir. Il y avait juste un seul terme que j'ai pu lui dire pour la rassurer. J'ai dit, t'as les plus grosses couilles de la villa, là. T'es la seule personne que j'aurais invité pour ça. Parlais des boobas, ça, là. Devant, hey, le pont. Regarde le pont. OK, man! Les plus grosses boobas, couilles! Dans l'air, dans le vide, les pieds attachés. C'est quand même spécial. 3, 2, 1... Ah, elle l'a fait aussi! Ben voyons donc! C'était le pécri! C'est malade. Une fois c'est fait, ils ont été bons. Je repayerai pas pour ça. On a fait les fous, on a dansé, on a chanté. T'sais, t'as une personne qui te suit dans tes folies, puis c'est le fun. En tout cas, j'espère. Je suis dans mon élément. C'est quand même un gros gamble que la brode ont décidé de prendre la bouteille pour choisir ce voyage-là. Mais ils sont pas, ils se sont choisis, non? Ouais, mais c'est Bilal qui a eu la bouteille. Ouais, exact. Mais comme ce que je veux dire, c'est que Chris, on chanceux d'avoir pris deux personnes game là. Parce que je suis pas sûr pour que les activités, Diana, tu parles. Fait ça, pour les activités, tu ouais, parles. Je comprends ça, pas. Je veux dire. Mais tu sais, s'ils se donnent pas un bec, c'est quand même dead, je. Ah ouais, vraiment. It might be un autre voyage. Mais là, s'ils si se donnent pas un bec, je suis off, là. Non, mais c'est ça. Fait que tu sais, ça. Ils ça, ont intérêt à le faire, là. Parce que si ça se passe pas, c'est un autre voyage quand même gaspillé, tu sais. Ouais, ouais, là. J'ai agréablement surpris de toi. C'est vrai. Tu me fais pas sentir comme quoi que rentrer dans ta vie, ma vie s'arrête. Au contraire, je sens qu'on va faire plusieurs conneries. Tu comprends ce que je veux dire? C'est intense. Je trouve qu'ils projette très loin dans l'avenir. Je sais pas si j'ai présenté mes enfants, tu sais. J'aime pas ça me faire chasser. Je pense que c'est ça qui me freine un petit peu. J'aime ça avoir des petits challenges. Ça m'a quand même éclairé un petit mais peu. Mais si le chasseur, c'était genre Alexa, elle serait comme... elle aurait été dans le voyage, là. Un peu beaucoup. Hein? As-tu dit genre gris le voyage? J'aime pas ça me faire chasser. Je pense que c'est ça qui me freine un petit peu. J'aime ça avoir des petits challenges. Ça m'a quand même éclairé un petit peu, ce voyage-là. Un peu beaucoup. Ouais, c'est dead. Merci de m'avoir choisi. C'est dead. Et puis, le voyage a duré une journée.
ça va durer une journée, c'est juste que... Ben oui. Ben toutes les activités. Hello! Bien sûr, revenu. Peut-être c'est genre deux jours blastés. Ben surtout, c'est quand même tournant proche, ça doit être genre une heure et demie. Ils ont encore fait trois activités. Moi, j'ai jamais vu de quoi de beau de même. On se promène, puis on voit des espèces de gros cratères, genre les montagnes. C'est magnifique. C'est un contraste entre le désert et l'eau turquoise, là. Puis pendant l'été, dans le fond, on voit au loin que du monde qui sont en bungee. Mais pas des first second activity. Bungee jump. So, il me dit go, je saute. Quand t'es genre des heures, t'es juste comme, pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi je me lance dans le vide? C'est vrai que c'est weird, là. Une fois qu'on a fait ça, on a pris un verre, puis on discutait de la soirée, tout simplement. Vous m'avez vu les premières journées? Ils sont allés. Tu sais, ils ont clairement pas dormi là, là. C'est comme s'ils sont allés, genre. I don't know. Fait que, tu sais, ils se sont même pas embrassés, là. C'est terminé, là. Et est-ce qu'ils partent? Le lendemain matin, quand ils arrivent, ça part. Ouais. Ils font un journée complet. Puis ils repartent là. Ils reviennent direct. Parce qu'ils sont au Mexique. C'est genre, ça doit être une heure d'avion, là. J'ai eu cette complicité-là. Puis elle aussi, elle pourrait en témoigner. Comme de camping. Je te garantis qu'elle se présente. C'est tellement une joke. Je sais pas, on dirait qu'il est plus attaché que moi. Puis genre, je suis comme. Ça refroidit un peu. Mais je sais pas si c'est ça. Guys, what the fuck? Moi, c'est parce que j'ai tellement pas cette personnalité-là. Là. Moi, on dirait que si je prends sur un gars, puis que comme, il est attaché à moi, je suis comme. Yeah! C'est juste bad quand tu te crises de lui. Ouais. Pis c'est juste que ça se dit mal. Il s'intéresse à moi, mais je me crise de lui. C'est sûr, c'est plus rough. C'est juste que je comprends pas parce que, tu sais, elle a l'air de triper sur lui. Mais non, comme mais, après mais ça. Dans la vraie vie, il n'y a pas de deuxième date. Là. Non, c'est ça, exact. Non, mais il se meet, ça fait pas. Ouais. Dans la vraie vie, tu donnes pas de jus à ça, sauf le Chris de mauvais monde qui font ça. Là. Non, c'est juste dead. C'est on l'a eu, la complicité qu'on avait, on était nous-mêmes. Ça faisait du bien pour de vrai. Ah oui. J'étais content de revoir ça. Moi, j'étais une Frencheuse dans la vie, genre, j'aime ça. Puis comme. Là, t'avais pas le goût, là. Puis il se laisse convaincre que tout allait bien. Rencontrer tes enfants, je sais pas. Même si t'as deux enfants, je sens qu'on va faire plusieurs conneries. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai présenté mes enfants. T'sais. C'est so bad! Hey, plate en tabarnak! Elle piano, ça socle! Elle piano, c'est dumb! Dis-leur! Il dit ça, peut-être même! Ok, c'est. C'est poche, so man! Là, c'est vraiment pas mon candidat préféré, mais ça, je trouve ça bad. Ah, c'est terrible, ouais, là! Si je serais là avec Fanny, je pense qu'elle serait tellement nerveuse de partir en revenant, qu'elle serait tellement dans la game. Qu'elle m'aurait sorti des affaires que, comme tu peux même pas, je Ouais, c'est ça, tu sais, elle est allée voir Raph. Mais Raph, il a tout le temps été genre quatrième. Mais c'est juste le désespoir act, j'aime pas. Ouais. Tu sais, tu pourrais être n'importe qui, mais elle, c'est un choix, vous. Mais c'est un choix. Il faut choisir le meilleur t-shirt. C'est vraiment bon comme gars. C'est dead, ouais, je pense que j'avais besoin de ça. Okay. C'est dur. Vous allez vivre les voyages, vous allez comprendre de quoi je parle. Ça déconnecte de la game au complet. Je suis détendu. Je suis relax. J'ai hâte. Si je sors de l'aventure avec elle... Vous allez voir, les gars, les voyages, c'est incroyable! Il dit... C'est sûr que je reste avec, 100%. Présentement, si tu dirais que les chances sont à combien? Elle m'a jamais tassé de son top 1 et tout. Elle a eu mon bac de toute façon. So, pour moi, ça, c'est des grosses valeurs de loyauté, pour de vrai. So, à date, je suis dans le 8, là. Nice. Bon, c'est longtemps qu'elle aurait pu juste faire comme... 8%, pas 8 sur 10. Par contre, 8%. Genre, no shit... Il faut qu'elle dise au prochain acte. Elle va dire. Je trust. Que, moi, tout, je trust. Vrai, là, parce que c'est une non, elle disait 8 sur 10, gars, je pense. Non, c'est 8% en réalité, mais c'est une mom, elle va lui dire. Elle va comment ses enfants, faut régler ça vite. Faut tirer le band-aid, Bah, oublie ça, il va faire trop de problèmes ici. Mais les gestes parlent. Quel geste? Il y a pas de geste. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est sûr. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'il faut que je prenne? Alexa, il sait pas quoi dire. C'est tellement cool d'être ici avec quelqu'un que tu le sais que c'est bon, là, que ça fit, genre. Tu vois? C'est fucking nice. C'est épouvantable. Ça fait du bien. Ah, Bilal, il va sortir de enfin, des, de la certitude, guys. Ouais. C'est hot, pour vrai. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Une connexion. Ils ont vraiment rien à se dire, eux autres, là. Oh! Pas ça arrêter. Va? Non. Ah, envoyez-le. T'as le droit d'être mélangé, là. Oh non, non, je sais déjà qu'est-ce que je veux. Ah, elle est pas mélangée. En fait, après mon voyage, j'ai eu des confirmations avec Bilal. C'est drôle. J'ai pas vraiment dit Ouais. Fallait que je le gère, là, tu comprends. J'ai dit, il me tape tellement, c'est drôle.
Pourtant, le voyage était paradisiaque, incroyable. Me connaissant, s'il n'y a pas eu de rapprochement, c'est ce qui est un problème. Mais oui! Je suis perturbée. Puis j'ai comme un petit peu pensé à Félix pendant mon voyage. Franchement, ouais, j'ai dit. OK. Hein? Puis c'est là qu'il m'a dit, ben, si t'es intéressé par un gars comme lui, pas intéressé par un gars comme lui. Félix, ça a quand même. Je pense que, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner avec. J'étais comme, oh, on pourrait peut-être s'entraîner ensemble. What? Félix. Genre, t'as envie de l'embrasser ce soir? Je sais pas si je vais le faire, mais j'ai le goût. Sérieusement, je veux savoir s'il y a des gens qui avaient misé sur Kat et Félix. Puis si oui, je veux savoir qui vous êtes. Zéro. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Parce que moi, je vis pour ce genre de revirement. J'adore. Non, là, je suis mélangée de chez mélangée. Fanny est contente parce que comme Yves Bilal est à moi maintenant. Moi, je pense qu'elle est contente parce qu'elle est comme nice. Comme si elle a fuck up, c'est comme bon pour moi parce que je peux passer à travers la brume. Ouais. S'il y a du caca ailleurs que chez vous, c'est bon pour toi, genre. Ouais, toi. Mais moi, j'aurais pas pensé à si ça. Si tu pop-up pas, tu fais, il se passe rien, il y a de la merde là, ouais. C'est meilleur, genre.